mec de char. Genre, pis là, le dude, il dit, genre, c'est quoi, il dit, ça fait-tu un bout que tu connais notre brand pis tout pour, genre, nous encourager? Je dis, bon, je veux juste une casquette. Carl Faubert est un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un âne. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, Carl exécute. Ah, regarde, en fait. C'est genre deux contrats. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. Ah, là, c'est mieux. Là, ah, là, 70 piastres. J'ai même pas voulu aller m'en acheter un autre, mais faut parce que check comment qu'elle est sale. Tu vois qu'elle est sale, mon gars. J'ai travaillé avec en Chris. Elle touche comme ça. Une qualité. Ah ouais. Appartenait à la province de Québec. Je suis rentré là, dans mon jeu, dans un condo. Là, un peu pour narguer le drapeau rouge du Canada, qui n'avait pas le droit de citer. Ah, c'est là. Un peu pour montrer les dents aux gens du Labrador, qui avaient volé au Québec un grand morceau de terre quelques années plus tôt. Carl attendait depuis un moment qu'un employé surgisse pour relever la barrière. Comme c'était étrange d'ailleurs, une route comme celle-là, ainsi obstruée. William Hamilton jouissait d'une vaste maison de campagne oui, bon, oui, là. Du nord, non loin de puis, là. Puis tu vas être gelé, là, Joël, après. Ben oui. C'est bon, ça. Caca! A fait du vent. Clopin. Ah non, c'est un joint. Hey, oui. Quand tu t'enroules un gros, là, juste les premiers pas que tu te prennes de sa tête des jours. Tantôt, je t'ai perdu un peu. Carl devait sortir de là. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. Ça bouge, ça. Il a recommencé. Le chauffeur avait des guerpilles. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Carl avait besoin d'assistance. Ow!
tu l'as vu, Gab, mon vite. T'as-tu vu, là, j'ai une base de lit, là, fait que c'est... Il tombe plus à terre, c'est pas pris. Bonheur, le magasin n'était plus très loin. Carl commençait à craindre la panne d'essence. J'ai même plus de lighter. Carl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près. Que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. J'en ai même plus déjà, tu sais, les pipes là, que j'avais amenées, là, qui étaient un con, là. Tu vois, ça dure pas longtemps, ça, il y en a une 50 dedans. Du crime. Qu'est-ce que ça fait là, se demanda Carl. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Ça ne lui a pas porté chance. Tout s'éclairait. Le pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile, mais pas assez. Voilà où s'amènent les gens ordinaires de jouer aux espions. Ben oui. Ah, il manquait juste ce gap. Il fallait avoir quelque chose d'urgent à faire pour laisser son camion comme ça au travers de la route. Qu'est-ce que c'est que ça, cet homme à carte? Ça ressemblait à un homme fossilisé dans la glace. Soudain, ce fut comme si Carl s'évanouissait dans un monde de rêve. Il se sentait sombrer dans une dimension froide où tout échappait à son contrôle. Une nouvelle piste s'ouvrait soudainement devant Carl. Eu cette impression qu'on a lorsque le mains gelées, on les plonge sous l'eau chaude. Que s'était-il passé? Un fait demeurait. Il
Il savait maintenant que le pauvre homme tétanisé dans la glace était le tenancier du magasin général Gilles Lachance. Hey, full show dans ce pied, gros, c'était investi, c'est pas rien. La glace, une nouvelle fois, s'était abattue. La femme semblait figée là pour l'éternité. Quelque chose se cachait sous l'escalier. Il y avait beaucoup de cachotteries dans cette maison. Carl sentit le froid reculer et revint à la réalité, où Gisèle n'était plus cette femme qui vaquait dans sa demeure, mais plutôt, comme son mari Gilles, un gros bloc de glace. Le bon docteur avec sa belle épouse. C'était le portrait classique du parfait bonheur. Carl reconnaissait cette femme, ce regard mélancolique. La voiture qui l'avait frappé en trombe à l'entrée du village, c'était donc le docteur Beaupré.
Carl devinait bien que le propriétaire des lieux ne faisait pas une collection de cuivre. On avait affaire à un brigand ferrailleur qui trouve son cuivre où il peut, et sûrement des fois, sans demander la permission. Le métal roux, ça se vend dans le temps de le dire. Pas à ce qu'un étrange retentisse par ici. Moi, te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche. Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Oh, quand on cherche, on trouve. Parce que je t'aime bien, Aster, je vais te dire quelque chose. Tu fais bien de prendre ma bélisse, parce que par là-bas, tu vas rencontrer le vrai froid. Un froid qui glace comme t'en as jamais connu dans ta vie. Une autre inquiétante victime des glaces, qui, celle-là, paraissait pétrifiée au cœur de l'action. Le pauvre homme, avant de se glacer, semblait défendre l'entrée de son chalet. Mais contre quoi? Thank you.
devait y avoir là quelque chose de bien important pour que l'homme se donne la peine de le cacher. Mais Karl ne voyait pas trop comment l'atteindre. Le manteau, par bonheur, protégerait Karl des dents glaciales. Encore une fois, la glace magique avait frappé. Que faisait-il, celui-là, ainsi terrorisé sur le sol? Le mystère s'épaississait comme la glace. Il fuyait alors avec grand peur une chose qui s'approchait, contre laquelle il ne pouvait rien, pour finir ainsi terrorisé et gelé. On dirait bien que Régent était prêt à prendre les armes et à pourfendre des gens comme Hamilton. Avait-il même commis un meurtre pour le compte de sa révolution? Qui donc avait été tué devant ses yeux? Karl se sentit tout à coup épié. Une présence autour de lui commençait à l'inquiéter. Thank you.
ressentit le froid habituel. Carl le savait, et il sombrait dans une vision. Carl connaissait bien ces images flottantes, se demandait cependant ce qu'elles pouvaient bien lui vouloir. L'esprit s'en alla vers la forêt, comme libéré. Carl, c'est vrai, connaissait son histoire maintenant. Un autre esprit déguerpissait vers les étendues sauvages. Carl connaissait son histoire à celui-là aussi. Les esprits semblaient soulagés dès lors que Carl avait constaté leur drame. En voilà un autre qui se libérait. Le dernier esprit, si seul jusque-là, s'en alla rejoindre les autres dans la noirceur de la forêt. Carl comprenait confusément l'horreur qui avait frappé ce village. Il comprenait que les morts s'y amoncelaient et qu'un seul homme comme lui ne pourrait pas tout régler. Le chemin lui était ouvert. Il devait pousser vers le nord, au plus vite, pour trouver des secours. Un autre journal. Carl sentait que quelqu'un tentait de communiquer avec lui. À moins que ce ne soit que le fruit du hasard. Carl tenait l'essentiel. Il devait reprendre la route. Deux autres pauvres victimes de ce mal de glace. Carl sentit un frisson le parcourir. Et s'il était le prochain? Carl se sentit aspiré violemment par le torrent d'une vision. Une
une jeune femme. On aurait dit un bête accident de chasse. Et voilà Hamilton. Carl pouvait le reconnaître. Un grave accident de chasse. La jeune femme a été examinée par le docteur. Mais on ne pouvait pas renverser la fatalité. Elle était morte. Ce n'était pas le genre de corps qu'on enterre en grande pompe dans le cimetière du village. Il fallait le cacher aux yeux de tous. Il fallait cacher la faute commise. Rien de tel pour ça que de faire enterrer la pauvre fille par un pauvre d'esprit, le mécanicien Lamotte. Le docteur refusait la mort injuste de la jeune femme, mais Hamilton le tenait sous sa poigne de fer. Hamilton connaissait tous les secrets de ce poète mélancolique, et il n'hésiterait pas à les révéler. « Je connais tes crimes, jeune communiste, tu connais les miens, quelle histoire sordide !» Carl comprenait les rouages du drame. On avait tué une femme dans le plus injuste des accidents, et un jeune guerrier se donna pour la venger. Mais Hamilton, le grand meurtrier, avait déjà été tué. Le monstre ne savait plus comment assouvir sa vengeance. Maintenant, pauvre imprudent, Carl avait tiré le carreau du cœur de la bête. Cette bête qui n'était qu'un jeune homme gris, auquel on avait soustrait la fiancée et qui, par haine, devint Wendigo.
trois passages le sauvegardaient. Mais pour combien de temps? Disparition et celle de la pureté. Je défendrai la pureté contre vents et marées, contre glaces et blizzards. Se pourrait-il que ce ne soit que cela, une histoire de justice et de vengeance? Le docteur mélancolique qui voit dans cette jeune fille assassinée la mort injuste de sa fiancée, qui venge cette jeune fille comme si elle avait été l'élue de son cœur? Ne sont-ce pas précisément ces grands sentiments passionnels qui